Les randonnées de pêche ne se mettent pas nécessairement en branle au moyen d'un champ de ralliement. N'empêche que le guide de pêche Sébastien Laure arrive à relâcher l'atmosphère de cette façon plutôt inusitée. C'est où les poissons sont? Enjoué et bon vivant, ce professionnel de la pêche peut d'ores et déjà mettre une croix sur une éventuelle carrière d'humoriste. Malgré cela, ses talents en tant que guide de pêche ne sont aucunement mis en doute. Spécialiste des environs de Québec, il exerce ses talents principalement sur le fleuve Saint-Laurent. Elle est dans l'eau, l'autre côté des algues. Tu sais, il faut que notre menée descende proche du fond, mais il ne faut pas l'accoter, bien important. Vous allez le sentir, je vais faire comme Jonathan, je vais me mettre de côté de même, le vent va nous pousser. Brille-toi un petit peu, brille encore. OK. Sébastien ne ménage pas ses recommandations afin que les participants à cette importante aventure connaissent du succès. Attends un peu, il y a de quoi qui marche pas, nous autres, là. Pourquoi vous êtes poignés? Non, non, non. J'en ai un? Non, 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 il est dans la bouche. Hop! C'est l'arbre. Et oh, et voilà! Premier achigan. Belle à part ça. Gros, hein? Oui, elle est belle, elle est belle. Très belle achigan. Oui, monsieur. Faut jamais essayer de démancher les hameçons à l'intérieur. Pogne ça, on coupe le fil, on met un autre hameçon. Elle est belle, achigan. Super. Je pensais qu'elle allait nous offrir un petit spectacle, là, mais... La pêche sur le Saint-Laurent est fortement conditionnée par le phénomène des marées. Je sais pas si vous avez remarqué, là, mais l'eau a commencé à descendre. Là. On descend, nous autres, là, là. Devant le flux et le reflux de l'eau, le guide met à profit sa vaste expérience pour positionner les sportifs sur les concentrations de poissons qui, elles aussi, subissent l'influence du mouvement des eaux. Vas-y. Rille, mais que ça soit plus raide, là, tu donneras un coup. Mais que tu sentes qu'elle est raide. Donne un coup. T'as-tu? Je sais pas. Rille. Encore un peu. Hey, c'est gros, ça. Fais un autre stepette. Ouais, elle est belle. Oui, avec la pression, il y a juste une pas. Belle. Très belle. Ça, par exemple, c'est bon. C'était-tu elle pour de vrai, tantôt? C'était-tu elle pour de vrai? J'ai l'impression de l'embrasser, mais j'ai coupé le fil. Qu'est-ce qu'elle est belle? Belle achigan. L'expédition compte quelques bateaux et dans chaque embarcation, tout le monde trouve son compte tellement la pêche est excellente sur le Saint-Laurent. En outre, une belle complicité règne entre tous les sportifs. L'achigan à petite bouche, le plus spectaculaire des poissons à caractère dit sportif, abonde. En fait, c'est la physionomie de ce poisson associée à une endurance peu commune qui lui confère cette force singulière. Très belle achigan. Eh si, bon, le gars, la grosseur de ça. Waouh! Belle palette. God, belle achigan. Qu'est-ce que c'est, Jonathan? Belle, hein? Ouais. Très belle achigan. La pêche, quelle qu'elle soit, pour peu qu'elle se pratique entre amis, fait naître un bonheur sans équivoque au sein du groupe. Bon, voilà. Ah, et voilà. J'ai l'impression de l'embrasser, hein, mais... Belle achigan encore.